Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous continuez de bien vous porter. Juste pour commencer avec cette introduction, ce que nous observons là actuellement, il s'agit tout simplement de fleurs de tilleul qui ont éclos. Alors bien entendu, ce sont des fleurs qui sont quand même bien visitées par nos avettes, nos abeilles, pour pouvoir du coup récupérer le nectar. Alors concernant la typicité du miel, le caractère que ça a au niveau gustatif, on reconnaît le tilleul par la présence d'un goût un peu mentholé, voire médicamenteux. Et pour terminer, c'est un miel qui est relativement clair et plutôt liquide. Alors, par rapport au sujet qui nous attend aujourd'hui, il s'agit juste d'une visite d'une ruchette. D'une ruchette qu'on a divisée il y a maintenant quasiment presque un mois. Donc c'est de vérifier la présence d'une reine. Alors, comment détecter la présence d'une reine? Tout simplement, moi je vais pouvoir le voir, le constater par l'intermédiaire de... Si je m'aperçois qu'il y a des œufs, bien sûr, un par alvéole et non pas plusieurs, qui signifie le fait qu'il y ait plusieurs par alvéole, c'est que c'est une bourdonneuse. Alors que si j'en ai qu'un seul par alvéole, ça signifie qu'il y a certainement une reine. Et bien entendu, de manière harmonisée. C'est-à-dire que c'est pondu, je dirais, sur l'ensemble, sans trop d'interruption. De manière régulière, voilà, c'est ça le vrai terme. Utilisons les bons termes. Alors, je poursuis. Hop, pardon, désolé. Elle m'en veut pas plus que ça. Je crois que j'ai même pas enfumé, d'ailleurs, juste enfumé à l'entrée, c'est tout. Si jamais je la vois, ce sera pas plus mal d'un autre côté. Parce que je peux très bien la voir avant même de trouver les œufs. Sait-on jamais. Alors la seule chose, c'est que j'ai pas. J'ai l'impression que oui, il y a des œufs. Parfait, gagné. Donc vous voyez, c'est gagné, ça a marché. Alors je vais essayer de vous montrer quand même quelques œufs. Si on peut en voir. Ouais, s'il y a des œufs, c'est super. Génial. Tac. Là, il y a une amisette. C'est tout. Ah bah tiens, elle est là, la reine. Tiens, elle passe de l'autre côté. Tac, elle me fuit. Elle fuit la lumière. On va essayer de la trouver ensemble. Je vois qu'il y a des amisettes, on regardera ça tout à l'heure. Là, pour le moment, il faut que j'arrive à capter la reine. Capter la reine. Elle est où? D'ailleurs, du coup, comme elle a des œufs, je peux me permettre de la clipper et de la marquer comme je le fais d'habitude. Mince, elle est partie où? Peut-être qu'elle est rentrée, elle est tombée dedans, retombée dans la ruche. Alors. Où es-tu? Elle m'a échappé. Elle a dû tomber dans la ruche. Donc là, juste pour info, là il s'agit juste d'une amusette. Ouais. Il n'y en a pas deux, c'est une amusette. Ok. En même temps, je me concentre pour voir si je trouve pas la reine. J'ai l'impression qu'elle m'a échappé. Et ça aussi, c'est une amusette. Bon, faut que j'arrive à la retrouver quoi. Donc là, j'ai retiré un cadre de cire gaufrée. Il s'agit d'aruchette, bien entendu, toujours. Et j'essaie de montrer les différentes paillettes qu'il y a à l'intérieur, où ça correspond, dirais, aux œufs qui ont été fraîchement pondus par cette nouvelle reine. Là, j'essaie de montrer encore un autre endroit. Alors, je sais pas si on le voit bien, parce que moi j'ai mon camail. C'est moins évident pour voir l'intermédiaire de cette caméra. Je vais vous faire observer aussi de l'autre côté. Effectivement, là, il y a tout plein d'œufs. Donc, c'est bien démarré, hein. Et c'est très régulier. Donc, c'est bon signe. Signe de reine, quand même, de belle performance.
Bon, malheureusement, j'ai recherché à plusieurs reprises la reine. J'y suis pas arrivé. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, parce que bon, ça sert à rien de chercher indéfiniment, parce que ça ne fait que, je dirais, déranger les saints. La prochaine visite, bah, je la trouverai certainement. Et je la marquerai et je la goûterai. Sachant que, comme je l'avais dit, hein, c'est une reine que j'ai créée moi-même, en faisant effectivement une division, mais c'est une reine que je ne conserverai certainement pas, que j'échangerai dès que je vais recevoir les reines que j'ai dernièrement commandées. Et alors pour la recherche de reines, je vous en avais parlé qu'il y avait plusieurs méthodes. Il y en a une autre dont je ne vous avais pas parlé en fait à l'époque, dans les épisodes d'avant. Ça peut être le cas quand on commence à avoir beaucoup, enfin, une ruche qui est déjà bien avancée, ruche adulte. Et la technique, bah, ce serait de mettre une grille à reines, de mettre un autre corps au-dessus et vous secouez tout cadre par cadre. C'est-à-dire qu'en fait, vous remettez un corps ici avec différents cadres et cette ruche-là, vous la mettez de côté. Pour ensuite, ici, mettre sur ce nouveau corps une grille à reine, un corps, et vous secouez cadre après cadre en enfumant un petit peu pour pouvoir faire descendre les abeilles. Bien entendu, si reine il y a, elle restera bloquée au-dessus sur la grille à reine, tout simplement. Voilà. La seule chose, c'est que ça fait quand même pas mal de manipulations et ça fait également, bah, je dirais, pas mal voler les abeilles. Donc voilà pour l'objet d'aujourd'hui par rapport à cet épisode. Ça prend fin et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.